Been a while out for the weekend. Me, myself, and I, my three friends. Nigga feel like broken and leaf thin. ASAP niggas finna sneak in. C'est quoi ta musique d'intro, le gamer tag et le matos? Si toi aussi tu te poses toutes ces questions, tu n'as qu'à aller lire la description. Mamma mia. Bonjour tout le monde, c'est Kim. Et on se retrouve pour la suite de l'Asile Moira sur Tif, Fif, Sif, comme vous voulez. Je suis désolée, excusez-moi. J'avais oublié que c'était aussi chiant. Donc en fait je vous fais la suite. Parce que je voulais terminer ce chapitre avec vous, qui est assez relou. Et donc, on va continuer. Donc, comme vous le savez, là, nous sommes au chapitre 5, un endroit, on est dans un asile, quoi, sur une île. Et l'endroit était particulièrement flippant, particulièrement dégueulasse. Pourtant, nous sommes dans un jeu d'infiltration, mais ils nous ont fait un petit côté suspense, horreur, je ne sais pas trop quoi, comme vous voulez appeler ça. Mais c'est juste ignoble, en fait. Donc, comment faire, là? Il y a un mec en face, j'adore. J'adore. Oh putain, mais il vient ici! Attendez, mais je fais quoi, moi? Putain, j'aurais pas dû continuer. Pourquoi vous me faites subir une chose pareille? Il est où? Putain, mais il est où, maintenant? Attends, il était là, il peut pas aller bien loin, quoi. Oh putain, foiré de merde. Attendez, il y a quoi à faire, là? Je sais pas s'il faut... Là, mais là, je peux pas passer là, de toute façon. Il y a du verre. Je sais pas ce que je dois faire, là. Il va forcément me voir, le mec. Alors, attendez. On va pas s'occuper de l'ambiance sonore. On va avancer. On va faire notre truc de merde. On va pas s'occuper de l'ambiance sonore, comme je vous disais. Oh putain, l'enculé. Excusez-moi si j'insulte là. Je sais pas, il m'a tellement saoulé ce gars. Je vais attendre qu'il soit de dos. Je pense que je vais l'assommer. Attendez. Il est où, le petit con là? Putain, mais il est con ce mec. Je sais pas comment faire. Attendez, on va attendre qu'il revienne ici. Je sais pas pourquoi je regarde les menus, on ne sait pas. Alors, il va forcément refaire sa même ronde de merde. Tu sais quoi, j'avais des trucs à ramasser, je pense. Bon, attendez. Il y a des choses à ramasser ici. Il est là. Comment faire? Parce que s'il me repère, je suis un petit peu mort. Ah putain, ta race. Enfoiré, allez vas-y. Hop, hop. Normalement c'est bon, je devrais l'avoir. Vas-y hop, je vais le neutraliser. C'est bon. Piou. Gros coup dans la tête. Bon, c'est bon, je l'ai neutralisé. Je pense que c'était pas nécessaire, mais bon, je l'ai fait quand même parce que je préfère être tranquille. Une petite seringue pour se mettre en forme. Allez, on a un truc à faire là, qu'est-ce que c'est? Ah, on a un code à faire. Ah, attendez. Normalement, dans un document, j'ai dû récupérer le code, non? Ah bah, je suis désolée, je retrouve pas le code, en fait. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je vais pas faire le jeu à fond, mais... Bon, je suis désolée, mais pour ceux qui savaient où est-ce que je pouvais trouver le code, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je suis pas trop concentrée à faire ça. Moi, je vais avancer. Je vais essayer de sortir de ce lieu ignoble. Y a rien ici. Ah bah ici, il y a des choses. Bon là, ça c'est pas la peine. Alors, ok, voilà, il n'y a rien de particulier. Note sur la clé, non, il n'y a rien. Non, je ne trouve pas le code. Il y a un mec par terre, là. C'est normal. Des papillons sur une fougère d'été. Quoi? Qui c'est qui a parlé, là? What? Ah, c'est le mec de tout à l'heure, là. Je suis un peu bête, moi. C'est quoi, ça, qui parle? Ta gueule.
On va avancer par là, nous, écoutez. Ah, d'accord. Des papillons sur une fourche. Ah, c'est vraiment sympa, ça. D'accord, ouais, trop bien. Je vais le taper. Je vais le défoncer. Tiens, comme des papillons sur ta tête. Un gros coup dans ta tête. Voilà. Là, tu te... Bon, c'est vrai que là, je sais pas trop... L'infiltration, oh putain. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va rallumer la lumière. Je me sens mieux. Et lui, il se passe quoi, là? Eh bah, putain. Alors là, il y a quelque chose. Alors, ne pas oublier de varier les durées d'immersion. Ouais, bon, ok, n'importe quoi. J'ai vu quelque chose qui... On peut le faire, là, son... Ah ouais, le mec, on... Ça, en même temps, je récupère ça. Voilà. Et là, en fait, on peut passer encore. Attendez. Il y a quoi ici? Des bruits chelous. Oh putain, mais il y a des mecs partout ici. Bon, je suis désolée, moi, je les assomme, hein. Parce que j'ai pas envie de me faire chier. Voilà. Donc, il y a un petit cri assez chelou, là, j'aime pas vraiment. Mais bon. J'approche bientôt, mais je sais que je suis pas au bout de mes surprises. Il va y avoir d'autres trucs chiants, à mon avis. D'autres trucs flippants. J'espère ne plus refaire un niveau comme ça, s'il vous plaît, parce que là... Ah, c'est pas terrible. Parce que là, je n'ai pas vraiment apprécié. Hein. Enfin, non, mais c'est bien parce que du coup, en fait, le jeu, il est assez varié au niveau de ce qu'il peut faire au niveau de certains niveaux. Mais moi, j'aime pas les niveaux comme ça. Donc voilà. Alors, ne pas prêter attention à la panique du patient lors du protocole d'électrochoc. Oui, c'est normal. Faut le laisser, ça lui fera du bien. Donc, ici... On a que dalle, on approche bientôt de là où je dois aller, mais je suppose que je vais devoir aller plus loin. Puis on va avoir d'autres trucs chiants, dégueulasses. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop qui va me faire sursauter, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'allais où, là? Là? Je sais pas, moi. Pourquoi ça vibre? J'allais là, non, je sais pas. Saute, connard. Excusez-moi. Je ne sais pas où je dois aller. Je suis un peu nul, hein, il faut le dire. Je sais pas, on va monter sur ça, non? Tu ne veux pas monter ici? Je sais pas, on va aller voir en haut. Je sais pas, c'est bizarre son truc. Youpi, je ne sais pas ce que je dois faire. Je pense qu'on va redescendre. Mais en fait, j'ai dû appeler quelque chose. Et après, moi, il faut que j'aille à l'intérieur et non dessus, hein, comme une abrutie. Et on va... Ah, il faut crocheter la serrure. Alors, c'est parti. Ah, je suis obligée d'aller en bas, en fait. Je préférerais aller en haut, moi. Mais j'ai l'air d'aller super loin là, mon objectif il est en haut là. Ça m'a l'air d'être là, hein. Un endroit bien sombre. Bien dégueulasse. Des bruits bien chelous. Bon, bref. Ok, mon inventaire était plein pour ça. Hop, ici, qu'est-ce qu'il y a? Une fenêtre bien moche. Enfin, une porte plutôt. Là, il y a du pivoine. Ah, c'est plein. C'est quoi ce cri trop... Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un espèce de nabo, je sais pas quoi, là. Pff,
Y'a quoi ici? Une loupe, j'en ai vachement besoin pour l'instant. Un abo, un espèce de monstre un peu louche là. Ils peuvent pas faire un endroit où il y a de la lumière. Putain, je sais plus parler ça, y est là, je suis à l'ouest complet. Là, il y a un truc. Hey, une ancienne pièce, c'est pas mal. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est sympathique. Ça correspond au thème, hein. Et donc... J'aime bien parce qu'il faut avancer tout le temps, tout le temps. On peut pas arriver à la fin de cette mission. Ah! Ah, dégueulasse. Ah, je vais pas... Ah! Excusez-moi, je pousse que des cris. Mais il faut le tuer, là. Alors, ne pas s'approcher des patients, ne pas parler aux patients, ignorer les signes de lucidité. Les patients sont enfermés dans leur propre sécurité. Pour leur propre sécurité, excusez-moi. Là, j'ai pas compris le délire. Là, il y a un monstre et je crois qu'on peut le tuer. Ah! Il est passé dans le trou, le mec. Trouver la cellule d'Erin. Non, mais Erin, elle était là-dedans, quoi. C'est incroyable, quand même. Putain, il va falloir que je fasse toutes les cellules, quoi. Ça fait chier. Alors, je constate que le patient numéro 11 se nomme plus agressif, se montre, machin, blablabla. Ouais. Super. Super, Michel. On s'éclate, ici. J'entends des petits bruits, des petits trucs chelous. Sympathique. Mais bon. Yes, j'ai de la vie. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bref. Où est-ce que je dois aller, en fait? On peut passer par là? D'accord, ouais. Il y avait un interrupteur, je sais pas s'il fallait que je l'active en fait. J'en aurais vu des prisons dans la cité. Mais ça, jamais. Moi non plus. J'ai jamais vu un truc comme ça aussi. Bon. On va bientôt s'échapper de cet enfer. Ah, mais c'est dégueulasse. Attendez, mais ils vont me tuer, non? Enfin, je sais pas, mais c'est quoi ce délire? Attendez. Je peux les tuer? Ah, mais c'est quoi ça? Ils sont vachement agressifs en plus! Non! Allez là! Putain, l'enfoiré! Il m'a tué! Bon, je suis revenu ici. Le truc, c'est que je sais pas comment faire là parce que. Bah, ils sont un peu bizarres quand même. Hein. On va prendre des flèches de feu. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Wow, y a eu un bug de ouf là. Je sais pas ce que je fais. Allez, mais meurs là. C'est dingue. Comment faire pour que bah ils fuient en fait comme ils ont fait la première fois et que moi je suis un peu tranquille quoi. Parce que là. Attendez, comment je peux faire? Est-ce que je peux y aller par là, sinon? Ouais, bah écoutez, on va passer comme ça, hein. Ça, c'est quoi, du sang? Un truc dégueulasse, quoi. Parce que j'ai vu qu'il y avait une corde, en fait. Putain, mais il y en a partout, par contre. Je sais pas comment faire. Bah, faudrait que je passe en... Ouah, mais c'est quoi, ça? J'ai rien fait, moi. Merde, alors, fais chier. Ah, putain. On dirait E.T. ou je sais pas quoi, là. Allez. Je vais leur mettre plein de flèches dans la tronche. Je sais qu'il faut pas faire comme ça, mais bon. Taras! Putain, je vais encore crever, sérieux. Il y en a partout! Bah là, en fait, on va devoir vraiment la jouer infiltration. Alors peut-être j'ai une idée. Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que la lumière, ça les fait fuir. Alors, s'il y a un endroit où on peut allumer la lumière, en fait, ça pourrait être pas mal. Et là, j'ai éteint la lumière, en fait. Et là, je l'ai rallumée. On va la laisser allumer, hein, c'est mieux quand même. On va prendre une flèche grappin, et j'ai l'impression qu'ici, on peut faire quelque chose. Voilà, hop. Comme ça, on peut peut-être accéder... Je sais pas du tout, hein. Est-ce que de là...
Là, par contre, je peux pas aller ici, en fait. Vous voyez? Est-ce que du bas, je peux grimper? Je sais pas. I don't know. Alors, peut-être d'ici. Je sais pas ce que je fous. On essaye. Et là, si je... Ça va allumer ou éteindre? Non, ça va éteindre. Ou au contraire, je préfère que ce soit allumé. Donc, on va voir. Du bas, un peu. Si je peux accéder aux cordes sans qu'on me repère, ça serait cool. Ouais, cool. Ça, c'est bien, ça. Allez. Qu'est-ce que tu fais, connard? Ah, ici. Hop, voilà. Ensuite, on va ici, tranquille. Voilà, là, ça, c'est pas mal, ce que je viens de faire. Là, j'ai eu un nouveau trésor. Et donc, comment je peux faire pour aller... Parce que là, on n'est pas très loin, quoi. Là, on a un monstre, du verre ici. On va voir là. Est-ce que je peux aller ici? Non. En plus, il y a un mec qui m'a repéré, du coup. Je ne sais pas trop. Là, si je saute et que je vais... En... Ouais, mais il y en a un juste là, c'est super. Avec quoi je peux le tuer, quoi? Je sais pas, moi. Attendez, on va voir. Avec ça. Je crois que ça sert... C'est n'importe quoi, ce que je fais, là. Mais bon, c'est pas grave. Désolée, là, je suis en train de faire n'importe quoi, donc du coup je parle pas parce que je... J'étais en train de faire une méthode pour essayer de... Pour pas qu'on me repère en fait, et du coup je les ai tous tués. Alors je vous ai passé ça parce que c'est n'importe quoi en fait, je suis restée en haut et je les ai tués. Et du coup j'ai trouvé un interrupteur, j'ai bien allumé la lumière et du coup bah voilà, je suis ici maintenant. Et on va pouvoir continuer tranquillement. Oh, c'est encore trop loin. C'est dingue ça. Qu'est-ce que ça va être encore? Bon, on est obligé de toute façon. Hein. Attendez, il y avait un truc là? Ah, il est là-bas. Super! Vite! Vite, 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 vite! Vite, 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 vite! Ouvre la porte! Putain! Wouah! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah c'est ce que je me demande aussi. C'est quoi tous ces fadas là? Waouh! Waouh! C'est une prison de malade! Les pavots arrivent sur les plateaux d'argent. Et je bascule. Toujours pas fini, bordel, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mal chaque fois que je respire. Bah écoutez, j'avance, puis on écoute ce qu'elle dit, quoi. Je veux que ces voix s'arrêtent. Je dois aller où? Garrett, où es-tu? Je croyais qu'à toi, je pouvais faire confiance. Je
Je dois aller où? Suis-moi pour connaître la vérité. Oui, mais où? Je suis complètement perdu. Waouh. Waouh. Faut que je crochette la serrure dans l'œil. Pas mal. Oh mais ça va terminer cette histoire bizarre là. C'est assez louche quand même, non? Qu'est-ce que vous en dites vous? Le baron. Oula. Il va t'entendre. Non ! Dépêchez-vous ! Éloignez-la du combat ! Elle est trop importante pour mourir sur ce rocher. Bien sûr, il est trop important pour mourir tout court. Je me demande s'il réalise la douleur. Elle est notre avenir ! Ce fumier de Nordestrest m'a tout volé. Tu vas nous quand Gareth ? La mort va frapper. Je perds la tête. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Le baron. Retour à Northcrest Manor, là où tout a commencé. Ah bah avec plaisir. Voilà, ça y est, j'ai terminé le chapitre. Ça me fait vraiment plaisir. Donc là, mon style a plus été prédateur, hein, comme d'habitude, je dirais. Donc voilà, c'est terminé. Je suis dans le beffroi, dans ma base. Donc il y a une autre mission à faire, donc bah, je vais pas continuer, parce que moi je voulais juste vous faire celle-là, quoi. Alors, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis l'autre aussi, enfin que ces deux vidéos vous auront plu, quoi. N'hésitez pas donc à laisser vos impressions en commentaire. Et puis voilà, celui-là était, on va dire, je sais pas, peut-être un peu moins chaud que l'autre, voilà. Donc bah, moi je vous dis à la prochaine, ciao.